Bonjour, une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on est avec du Star Wars. Donc, c'est des personnages qui sont issus de l'épisode 6, le retour du Jedi. Donc, on a la boîte 289 avec l'empereur Palpatine et on a deux fois la boîte 288 de Darth Vader, la standard et celle qui brille dans le noir de Darth Vader. Donc bon, je vais vous présenter que ces deux-là, ça suffira, voilà, c'est la même. Donc voici les personnages, la boîte, la collection, les petits dessins et le dessus de la boîte. Darth Vader et l'empereur Palpatine. Alors, ça correspond à ce qui se passe dans le film, à la fin du film. Donc, c'est quand Darth Vader décide de se détruire Palpatine, celui-là. Donc, on le voit quand il affronte Palpatine. Donc, c'est après son combat contre Luke. On peut voir, il a perdu sa main droite, qui tenait son laser. Il a tout le corps rempli d'éclairs qui sont envoyés par Palpatine, et donc on voit par transparence avec les éclairs une partie de son crâne, un peu comme une radio de son casque. Voilà, donc voilà, il est très très bien détaillé. On voit les éclairs qui parcourent tout l'arrière du corps. Ici, la main coupée est vraiment bien faite aussi, on peut voir. Les détails, et donc on a un beau détail aussi sur son crâne qui est comme radiographié, vraiment très très joli. J'aime beaucoup, très belle scène et très belle pop. Ensuite, on a l'empereur Palpatine, donc ça va avec ce qui s'est passé juste avant. Donc, c'est qui c'est juste après le combat contre Luke Skywalker. Luke ne veut pas passer du côté obscur, donc l'empereur commence à l'électrocuter avec ses éclairs du côté obscur. Et quand il voit ça, Anakin, Dark Vador, se rebelle contre l'empereur et décide de le détruire, et donc c'est lui qui prend tous les éclairs pour lui et qui sauve son fils. Donc voilà, là on a toute la méchanceté de l'empereur qui ressort sous ses formes d'éclairs noirs pour détruire Luke et occasionnellement le détruire lui. Voilà, j'aime beaucoup, la scène est vraiment impressionnante. Et je trouve que les pop leur rendent réellement justice, sont vraiment jolis, magnifiques même. Donc voilà. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas et abonnez-vous. Merci à vous. Ciao, bye.